il y a des philosophes modernes qui, de temps en temps, sans s'en apercevoir, ont touché la philosophie des anciens, notamment Schelling. Ça vous dit quelque chose? Schelling, c'est pas de l'argent, c'est le nom d'un philosophe allemand. Il dit que la philosophie est la condition de toutes les sciences et elle n'est conditionnée par aucune d'elles. Ça aussi, c'est une vérité à retenir. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'elle est autour, dedans, à travers, comme Dieu l'est dans la nature, oui ou non? C'est ça ce qu'il faut retenir. Vous voyez, j'essaye de trouver des exemples évidents pour ne pas passer 3 heures à expliquer. Il dit aussi qu'elle n'a qu'un seul but. Et quel est son but? Je vous le laisse découvrir. Pas seulement. Ça, c'est la version dynamique. Vous voyez que c'est pas évident. Son but, c'est la découverte de la vérité en toute chose. Par conséquent, c'est une chose qui ne s'adresse pas à l'intelligence, mais à l'intellect. Parce que seul l'intellect a le pouvoir, la capacité de sentir où est le vrai.